Et salut à tous, c'est Danaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Fighting Path. Donc là, comme vous pouvez voir, on va faire l'événement du boss de guild en fait. Comment ça se passe? C'est en gros le boss de... Le chef de guild, il ouvre le donjon, on va dire. C'est tous les jours entre 13h et 15h. Il faut savoir que c'est du lundi au vendredi. Il n'y a pas le samedi dimanche. C'est vrai que c'est important, je crois que pour les Chinois c'est à 20h. Mais en gros, avec le décalage horaire, nous c'est vers, vers 15h quoi. C'est à 13h, pardon. Donc on va tenter. En gros, chaque membre de guild a deux essais. Et il faut essayer de battre le boss. Et par rapport au... Même si vous ne battez pas, vous allez quand même faire un nombre de points. Et vous avez des cadeaux en fait par rapport à ça. Vous avez vu? C'est quand même assez intéressant. Ok, donc on va pas perdre plus de temps. On va combattre donc les deux en même temps. Et vous êtes tout seul. Savoir qu'il est chiant en plus, Kuro, parce qu'il se téléporte et tout. Mais j'ai une bonne technique contre lui, c'est d'utiliser L. Elle, parce que même si se téléporte, en gros, vous utilisez elle et comme il va se téléporter sur vous, en fait elle stun, elle va le stun quoi automatiquement. Et après là, vous pouvez enchaîner les dégâts. Ok, 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 ok. C'est parti. Donc là, aujourd'hui, il faut le type rouge pour le battre. Mais il va être quand même bien chiant. Les deux vont arriver là. Ça, c'est tellement chiant quand vous battez contre deux ennemis à la fois là. Pendant que vous êtes sur l'un, il y a l'autre qui vous dégomme. Surtout avec Kuro, ça va pas être une partie de plaisir comme là. Essayer de me faire lui avant. Oh, en vrai ça va, il a pas beaucoup de vie. On va essayer de le faire au plus vite possible. Hein. Okay, on va mettre ça. Lui il endort, faut faire gaffe. Okay, le bouclier de Kuro il va péter. Ah, c'est tellement chiant. Allez, allez. Crocodile et lampe perso, là on switch, hop. Lui, on essaie de se le faire. Ok, ça va passer. Les métaux. On switch, hop. Hop, on l'empêche de partir. On enchaîne. Ça se passe plutôt bien. Hein. Oh bah voilà. En fait, il était simple celui-là. Parce que hier, on a fait... Il y avait le boss d'hier, il était vraiment, vraiment difficile, quoi. Là, ça s'est passé assez facilement en fait. Vous avez vu, on gagne beaucoup de récompenses. Rien que ça, 400, c'est rien que ça, ça fait une pièce de puzzle de Sanji quoi. On refait une deuxième fois. Ce qui est marrant en plus, c'est que vous avez le classement de tous les personnels de votre guild en même temps et tout. Ok. Elle va mettre un peu de temps à arriver sur moi, j'aurai le temps de lancer ma tournade directe. Ah bah, génial. La moitié ratée. Faire comme tout à l'heure, on va se refaire lui là. Crac, il nous laisse le temps. Ouais. Putain. Ouf. Mets ça, hop. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est lui là. Allez, on se prend les deux. Perfect ça. Oh là, on va faire un bon score normalement. Putain, je l'ai raté. On repasse là. Putain, il est où? Il est là. Ah, il est tellement chiant. On a pu l'esquiver. Putain, j'ai perdu du temps à cause de ça. Ok. Normalement, on a fait un bon score là. On va voir ça tout de suite. 52 secondes pour les battre. Ok. J'ai perdu un peu de dégâts parce que je suis niveau 39 et j'ai pas monté niveau 39. Bon, on a le tableau des scores. Bah pour l'instant je suis premier. On va voir avec les autres. Là il y a un truc là. Ah il y a... Ah attendez. Ah il y a l'événement Mihawk qui a ouvert là, oubliez pas. Bon bah je vais enchaîner sur la vidéo de l'événement Mihawk les gars, à toutes.